Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 16 pour un match, le FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain. Donc, bon, en ayant mis la raclée, enfin la raclée, ouais, lol, en ayant gagné face à l'OM dimanche 4 octobre, 2-1 sur deux pénaltys, hein. Eh ben, j'ai envie de me venger parce que moi j'aime bien l'OM. Donc j'ai envie de me venger en prenant le FC Barcelone et leur mettre moi-même la pignée du siècle. Bon, après, c'est pas sûr que je gagne, hein, mais on va essayer ensemble. On va prendre le FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Alors, allons-y et c'est parti pour un match comme ça, quoi, amical. Non, ils sont pas. Le Barça, ils sont pas en France. Hein. Ils sont en Espagne. Okay. Ouais, j'ai fait quoi là? Ok. Le jeu un peu buggé. Bon, c'est pas grave. Merde. Ah, ils sont là, le FC Barcelone. FC Barcelone, Paris Saint-Germain. Attendez, je regarde l'équipe. Wow, en plus, ça va être un match assez serré. 5 étoiles, ils ont 5 étoiles aussi. Donc, allons-y. C'est parti. Ligue 1, Ligue 1, ouais, ok. Allons-y. C'est parti pour le match FC Barcelone et Paris. Avec Monsieur Grosstouf. Alors, oui, Camp Nou, aléatoire, oui, exactement. 6 minutes, allons-y, c'est parti. Tout va bien. On va laisser Lionel Messi, on va laisser Neymar comme ils sont. Et on changera à la deuxième période si ça va pas. Donc. Ouais, elle était magnifique. Attention, attention. Ouais, non, mais pour façon pour marquer un coup franc, il faut se lever Bonjour à de bonne tous heure. et bienvenue. C'est un match amical qui nous attend, Franck. Et dans ce match, nous retrouvons le FC Barcelone face au Paris Saint-Germain. Tout le monde ne parle que de ce match depuis des jours. Nous y sommes donc enfin. Grand sentiment dans les tribunes. On voit déjà de la concentration sur le visage des Allez. joueurs. C'est un grand rendez-vous. À l'occasion de ce match, on va retrouver deux grands joueurs. Luis Suarez face à Edinson Cavani. C'est vrai, c'est Luis Suarez, un joueur en confiance, lui qui a décidé un doublé lors de sa rencontre précédente. Quant à Cavani, c'est tout simplement l'un des buteurs les plus prolifiques en championnat. La composition du FC Barcelone qui s'affiche. Pour ce qui est de la tactique et de l'animation, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. Classique. Nous allons voir tout de suite la composition du Paris Saint-Germain. Deux entraîneurs qui ont choisi de mettre en place un 4-3-3 pour ce match. Un 4-3-3 aussi. Ibrahimovic. Ah, comment je l'aime pas, lui. Bon. Camp Nou, qui est le stade du FC Barcelone depuis Désolé, hein, pour 1957, ceux qui l'un des tiennent pour stades les Paris. plus connus en Europe et dans le monde, Ah. classé catégorie 4 par les instances du football européen, Il n'y c'est-à-dire aurait pas accueillir une Ibrahimovic. grande finale, J'aimerais bien un Paris. match avec l'équipe de Peut-être. Paris Saint-Germain. Parce qu'ils font une belle carrière. C'est Saint-Germain en Et jeu, c'est le avec Ibrahimovic Saint-Germain que qui j'aime crée pas des départs de touristes, hein, dans une personne du ce club avec lequel dans ce club. Paris avait fusionné à sa création du PSG. Et en plus, c'est qui commence. Bon, allons-y. Est lancé. Alors, je suis désolé par avance si l'image se fige par moment. Les 30 derniers Ça, mètres, c'est que j'ai pas une c'est très la bonne touche pour le connexion PSG. où j'habite. Donc, bon, bah, forcément, ça crée des problèmes un petit peu. Thiago Mais Silva. bon, ça devrait aller, hein. Mata. Et si vous voulez un jour. Que je fasse un match, il m'a changé de touche ou quoi lui? Attention, la frappe.
En fait, bizarre parce qu'il y a mon petit frère, mon petit frère qui est venu jouer hier et je pense qu'il m'a changé un peu de touche. Attendez, on va essayer de voir. Voilà. Bon, allez, dans la balle. Serge Aurier. Prochain match que je ferai sera un match. Désolé. Hein. Un match de l'équipe féminine. Équipier la retombée peut-être. La bonne anticipation. Je ferai États-Unis face à l'Allemagne. Le ballon qui est bien parti sur ce centre. Non, 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 mal ajusté ce centre. Et la voilà la frappe. C'est pour le gardien. Une touche pour le PSG. Thiago Silva. Thiago Silva. Serge Aurier. Qui le trappe. Ah, je pense que oui. Je pense que j'ai trouvé. Je pense que je vais faire un truc. Je vais changer de logiciel pour le prochain match. Tant pis, je vais payer un logiciel. Je remettrai. Il va être intéressant d'ailleurs de voir quels systèmes ont été mis en place. Bien diffuser. Parce que Bandicam, j'aime bien, mais. Il y a peut-être quelque chose de bien à faire là sur ce ballon pour le Barça. En bonne position, il va pouvoir centrer. Messi. Hop là. Oh putain. Allez, corner à suivre pour le FC Barcelone. Tout est dans le jeu. Messi qui prend sa chance. Hop là, papa. Bon, ça va, ça bug pas trop, c'est pas crié au secours non plus. Mais je pense que c'est à cause de mon petit logiciel en fait. Ah, désolé, d'habitude je laisse les cinématiques, mais là j'avance un peu trop vite, je suis désolé. Allez! On fait moins les malins, hein, le PSG là, hein? 1-0 pour mon compte personnel. Eh oui, je suis là, je suis en forme. Pour vous, pour moi, FC Barcelone met 1-0 face au PSG. Regardez ce but, attention, qui est pas pourri, mais bon. Bon, en fait, aussi. Enfin, moi, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de ce but, hein. Laisse un petit like si t'as aimé. Et un petit commentaire et abonne-toi si tu le veux bien. Pour moi, il n'y a aucun problème. D'autres vidéos de FIFA avant arriveront plus tard. Mais comme vous avez pu voir, je ne fais pas que FIFA. Je fais un peu toutes sortes de jeux. J'étais à San Andreas. Assassin's Creed Unity, Tomb Raider bientôt, mais j'attends le nouveau, je vais pas refaire le Definitive Edition. Enfin, si vous voulez que je le fasse en vidéo, il n'y a pas de problème, mais j'ai pas envie de le refaire en fait. Après c'est une bonne histoire aussi, hein, donc bon, je pense que voilà. Ah, merde, j'ai fait quoi moi? Va relancer maintenant, c'est parfaitement fait.
Le Marco. FC Barcelone. Oh merde. Marco Verratti. Il vient en contact. Et ce sera une touche pour le PSG. Dites-moi en C'est commentaire, hein, surtout, hein, quel match vous voudrez que je fasse. Marco Verratti. Hein, l'autre jour, on m'a demandé Cavani. Lille face On le voit bien là, le au centre. RC Lens. Ah, c'est l'adversaire qui Et finit je par la l'ai fait. récupération de ce centre. En plus, c'était un bon match. Hein, j'ai gagné 2-1 ou 3-1, je sais plus. Je sais plus du Bah, tu résultat. dis. Javier Mascherano. Sergio Busquets. En tout cas, j'aimerais remercier mes 18 abonnés. Avec ce but magnifique que je viens de mettre de Neymar. Non, sérieusement, je vous laisse profiter de ce but. En vous disant que je remercie les 18 abonnés que j'ai. Ça fait plaisir. Ça va qu'en une ou deux semaines de temps, j'ai eu 6 abonnés en plus. Ça fait. Non, franchement, ça me fait plaisir. Voilà. En espérant que vous continuez à aimer ce que je fais. Après, c'est votre choix. Hein. Mais, je vous remercie. Il va perdre le ballon au profit d'Iniesta, bien joué. Pour ceux qui veulent voir du PES, bah, dites-le moi en commentaire aussi. Hein, j'en ferai aussi, il n'y a pas de problème hors jeu. Ils savent que dans PES, bon, ça marche pas très bien. Là, j'ai regardé, il y a quand même 30 vues. Donc, bon. Peut-être que j'en referai une, mais pas pour l'instant. Sauf si je fais une carrière dans une Ligue 1 dans PES, je prendrai le LOSC, c'est-à-dire bah, Lille. Hein. Je prendrai Lille pour pouvoir faire la Coupe de France, l'Europa League, s'ils y sont cette année. Attention à cette perte de balle au milieu. Bon, alors je le ferai dans FIFA, c'est comme vous voulez. Dans FIFA, je pense que je vais faire en premier la Coupe Conseil. internationale féminine. 15 à 20. Il cherche Di Maria. Oh, la tête. Le PSG qui obtient un corner. Ah. Alors, il y a Thiago Silva dans l'équipe et Thiago Motta. Non! Ah, bien joué le La belle gardien! détente du gardien. Et nouveau corner. Bon, il était passé largement au-dessus. Il aurait pu ne pas le toucher. Ça aurait été bien. Ah, comme vous pouvez voir la pluie. Aïe 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 aïe. J'aime pas la pluie. Oh, danger Ça avec ce glisse. centre. En fait, j'aime bien la pluie. Ça m'arrange en fait des moments. Ah, je suis tout seul. Je suis tout seul. Luc Messi. Lionel Messi. Boum! Léo Messi. 3-0. Il faut moins les malins, les parigots, là. Allez, le Barça. On continue comme ça, là. Aux prochaines 45 minutes. S'il vous plaît. Tout le sang-froid et la lucidité de ce joueur dans le dernier geste. C'est parfait. Il n'y a rien à dire. Boum! Voilà. Toujours panique, C'est souvent beau, le dernier c'est. geste, en voulant trop bien faire. Yes! Ça paraît tout naturel. Le réalisateur qui nous montre le but sous un autre angle. Ah, moi, je suis content. Ah, moi, je suis heureux là. Je suis en train de gagner là. But de Lionel Messi. À la 45e minute. Clairement, c'est un match à sens unique. Hein. Motard.
Oh merde. Excuse-moi mon pote. C'est bon, c'est fini. Première période. 3-0. Et je vous jure que je joue en semi-pro. Et pour ceux qui me demandent, non, je ne monterai pas le niveau de difficulté parce que c'est sûr, je vais perdre. Il y a des matchs, ça va. Mais il y a des matchs, c'est un peu. C'est voilà. Ah, qu'est-ce que j'aime pas, j'ai vu Ibra là. Ah. Il me donne envie d'aller faire caca. Pardon, désolé pour la petite blague. Donc, nous allons sortir Neymar qui est un peu fatigué. Et nous allons mettre Sandro. Donc, j'espère qu'il est bon. Hein. Suarez. Nous allons mettre Messi en avant. Et je pense que pour ma part, c'est bon. Allons-y tout de suite pour la deuxième période du match. FC Barcelone face au Paris Saint-Germain. On va faire du bon jeu là. FIFA 16. Play beautiful. On va voir si les choses changent un petit peu après le passage au vestiaire. Messi. Allez, Messi. Messi qui prend sa chance. Coup de pied de coin. La la la, ouais, d'accord, ok, trop loin. Ce corner qui ne donnera rien. Ce... Oh, le type blessé, c'est ma gueule. Vas-y, relève-toi et... Non, t'as pas... Regarde, il court. Regarde. Il court. Et il court. Il se raccroche à son genou. Il se saoule avec le bruit. Des buts. Pour que j'aimais. Et aussi, allez, tac. Considéré à juste titre comme le meilleur joueur du monde. En fait, plus de vidéos pendant... enfin, il n'y aura plus de vidéos pendant quelques jours. Car oui, je pars en vacances. Donc je ne pourrai pas tourner. Si, peut-être en direct de l'hôtel où je serai. Mais je ne pourrai pas mettre les vidéos en ligne. Car là-bas, la connexion où je vais aller, elle est complètement pourrite. Donc voilà, mais je ne pense pas prendre mon PC pour tourner, c'est les vacances, donc voilà, je pars quelques jours, c'est pour ça que je profite un peu. Aujourd'hui, je vais essayer de tourner au moins 3-4 vidéos. Qu'en avoir. David Luiz. Allez, David Luiz. Oh, David Luiz. Oh, Mota. Moi, tu dis. Il a tout dit. Il vient de subtiliser le ballon. Messi. Ce sont 11 jeux perso. Non, on s'en fout. Ah, t'es beau. Ah, il était beau. Là, tu as le ballon, pas juste devant lui. Regarde. Tac. Ouais, ok, il a bugué le jeu. Hop là. Ah, t'es bien. Tout naturel. Il m'a mis un tacle, mais j'ai quand même marqué.
Donc 4-0 pour mon compte personnel. Andrés Iniesta. On sent un petit peu de résignation. Car ouais. L'équipe est largement menée. On voit pas comment elle pourrait revenir. Ouais, carrément. Ce sera une touche pour le PSG. Une touche. Edinson Cavani. Alalva. Alalva. Tiens, Joris. Messi. Tiens, mon pote. Vas-y, prends la balle. Vas-y. Non, mais si c'est pour faire ça, c'est pas la peine. Par ça, ils vont récupérer la balle. Alors que le Parisien va faire son entrée sur le terrain. On va voir si c'est du poste pour poste. Ah, j'ai mal à ma jambe. Andrés Iniesta. Ah ouais. Ah, ils sont tellement nuls pour te marquer là. Arrêt du gardien. Bon. Ah, le corner maintenant. Ouais. Oh là. Là là. Oh, regardez, je vais chanter ma musique fétiche. La 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 la, la la la, hey, oh, oh. Et encore une fois. Bon, je ne la chante plus, car je rate tous mes corners. En plus, je vais refaire pleuvoir. Il pleut déjà en plus, donc... Non, Ibra, c'est rien, tu te fais mener. Ah là, oh, c'est beau. Ah. C'est pour le gardien. Mon gardien, c'est un mur. C'est un mur. C'est carrément un mur. Impossible. Ah là là là. Ah là là. Cavani. Mais qu'est-ce que font là? Voilà. Voilà. Obla. Oh merde. C'est bien. Un petit 5-0 là, allez. Allez le Barça, allez, 5-0. Allez. Arrière Pastore. Et la frappe de Zlatan. Zlatan qui a pas réussi à tirer bien. Rakitic, devenu l'un des tout meilleurs milieux de terrain du monde et dans la plus pure tradition des joueurs croates. Il est en effet doté d'une grande technique balle au pied. Voilà les corners pour moi. On va rester une fois la musique. Regardez. La 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 la. La la la. Hey, hey, hey. Oh, oh. Le gardien du point. Bien, il était mis de ça. J'ai envie de blesser lui. Ah non, regarde bien, regarde bien. Regarde bien. C'est vraiment un bon coup d'accélérateur en première période. Il n'y a pas faute, dégage. Thiago Silva. Simulateur. Non, il n'y a pas faute. Non. Il est tombé comme ça. Il tient pas debout. Quoi? Un rouge. Oh, mais voilà. Mais il n'a rien, il est juste tombé, monsieur. Mais arrête. Bon, écoute, je reviens sur le terrain et je te donne ma... Il s'est un peu laissé en non et sur ce tacle glissé, on dirait. Mais il a rien. Mais non. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez, là. Il a rien. Bon, il s'est pris mon pied dans la cheville. C'est pas en plus celui qui va tirer. Regardez-le. Même dans FIFA 16, c'est une simulation. Des personnes qui ont simulé. Ça fait Ibra le plus fort dans l'équipe. Mais regardez ça, il ne va pas marquer. Dis, regarde, je fais rien. Je fais rien, tu vas pas marquer. En plus, c'est même pas lui qui tire. Là, on... c'est même pas lui qui tire.
Bon, d'accord. Bon, allez, j'ai un carton rouge. Ok. C'est pas très grave. Allez, on s'y remet. Tranquillement. Voilà. Allons-y. C'est parti. Là, 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 là. Quelle bande de faux cul. Ils affichent une belle maîtrise, hein. Ah là là, oui, ils gèrent. Gère. J'ai mal au crâne. Et ça t'a la lutte. Benjamin Stambouli. Ouais, ok, je me calme. Quoi? Mais quand même, garde tes cartons jeunes, s'il te plaît, tu vas plus en avoir après. Sur ce tacle glissé, à son ralenti, on semble contre de la faute. Attends, c'est quoi le délire? C'est qui a eu le carton? C'est qui a eu le carton? C'est lui ou c'est mon joueur? Ah, c'est mon joueur, d'accord, ok, merci. C'est moi qui me fais pousser à terre, mais c'est moi qui le. Et là, la faute, là, il a failli me faire tomber. Putain, mais faut dire quelque chose, là. Bon, allons-y, c'est parti, j'ai compris, le jeu me déteste un petit peu. Bon, c'est pas grave. Et c'est terminé. Voilà, c'est fini. Donc, 4 buts à 0. Une rencontre sans aucun suspense, hein, Franck. Un match maîtrisé de bout en bout. Oh ouais, carrément. Ah, mais là, mais carrément, moi je vous dis carrément. Ah là, j'ai... Bah, y'a rien à dire. Rien à dire. Tiens, revenons un demi sur la prestation de Luis Suarez. Ah, c'est bien connu, il a marqué et en plus son équipe s'impose. Bon ben voilà, c'est fini. Je vous laisse sur ce gros nez. Ouais. En espérant que ce match vous aura plu, laissez un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas non plus à venir jouer avec moi sur Xbox One ou PC. Mon gamertag Johnny GTA LS622. Vous me trouverez facilement. Donc bon ben voilà, je n'ai plus rien à dire. Donc moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau match sur FIFA 16. Match avec les équipes féminines. Allez, salut tout le monde, à bientôt. Neymar.